Bonjour, je m'appelle Nabil Adel, je suis professeur à l'ESCA de Casablanca et je dirige en même temps l'Institut de recherche en géopolitique et géoéconomie. Alors j'ai le privilège d'animer cette conférence avec Monsieur Mahoul Mohamadou. Alors je rappelle brièvement que Monsieur Mahoul Mohamadou est politologue, il a une longue expérience. Alors il est également professeur associé à la Graduate Institute of Geneva. Il est également directeur du Centre for Security Policy, il est directeur adjoint et en même temps academic dean. Alors, il est enseignant à Sciences Po Paris au sein de l'école doctorale. Il est auteur de quatre ouvrages, dont trois en anglais, Understanding Al-Qaïda, Iraq and the Second Gulf War et Contre-croisade en septembre et Retournement du monde. Alors, son dernier ouvrage qui va paraître bientôt est également en anglais. Il s'appelle Democratization in the 21st Century. Il a été directeur adjoint du programme de recherche sur les conflits à Harvard. Et il a été nommé par Kofi Annan en tant que commissaire sur la commission sur les drogues en Afrique de l'Ouest. Alors, j'espère que je n'ai rien oublié et que j'ai fait la présentation tient bien comme il faut. Bon, c'est une éminente personnalité qui a beaucoup d'expérience sur le sujet qu'on va aborder. Alors, on va traiter cette conférence plutôt autour d'un entretien. Donc, ça va être d'une manière relativement informelle. Je poserai des questions et il y répondra et ainsi de suite. Donc, la conférence traite des fragilités en Afrique. Et le premier élément qui vient en tête, c'est cette histoire de frontières en Afrique. Vous savez mieux que moi que les frontières de l'Afrique ont été tracées à la fin du 19e siècle, suite au partage colonial entre les grandes puissances. Donc il y avait la conférence de Berlin, la conférence d'Algésiras, entre autres. Et donc on a abouti à un partage de l'Afrique sur des bases d'intérêts économiques et d'équilibre entre les différentes puissances. Après les indépendances, ces frontières économiques sont devenues des frontières politiques. Et la première question que j'ai envie de poser à M. Ould Mohamadou, c'est à votre avis, pourquoi les frontières qui sont censées être un facteur de stabilité pour un État-nation sont devenues aujourd'hui un facteur de fragilité en Afrique? Merci beaucoup. Bonjour, mesdames et messieurs. Merci de prendre le temps d'être avec nous ce matin. Permettez-moi d'abord de remercier l'école de management à Grenoble, l'ESCA de Casablanca également, qui a aimablement invité. Je suis particulièrement content d'être avec vous ce matin pour aborder ces questions. La question que vous posez, elle est assez familière, elle est assez, je crois, placée centralement dans cette thématique. On la rencontre régulièrement comme un des points, disons, de rupture, une des questions qui pose problème aujourd'hui. Je vais y revenir. Mais je pense que la question de la géopolitique africaine en soi doit être précédée dans toute discussion, et peut-être aujourd'hui plus que jamais, hein, j'ai envie de dire, par une réflexion fondamentalement sur l'imagerie, la représentation, on dira l'emplacement conceptuel dans lequel se trouve l'Afrique aujourd'hui dans les relations internationales. Et par ça, je veux dire qu'on a abouti à une forme d'impasse, 60, 70 ans après les indépendances, dans laquelle toute discussion géopolitique, hein, sur l'Afrique, économique, politique à l'évidence, mais particulièrement géopolitique, est quelque part toujours positionnée dans un substrat qui est sur une division très pointée entre une espèce de diabolisation de l'Afrique et, d'un autre extrême, une espèce de vision romantique. On a deux extrêmes entre lesquels on vacille. Entre diabolisation au sens large, c'est un peu cette vision d'une ère qui serait de manière permanente, problématique, source de conflits pour elle-même d'abord, pour les autres également. Et on tourne en rond autour de cette question d'une représentation, et le terme est important puisque les représentations dans les relations internationales sont conséquentes, d'une représentation d'un continent dans toute sa complexité, qui aboutit toujours à être assez singulièrement présenté, d'abord au singulier, l'Afrique, hein,
est toujours sur une série de problèmes, en ce sens qu'il faudrait savoir résoudre pour les Africains. Et j'y reviendrai. Ou de l'autre côté, une espèce de vision romancée. Cette Afrique qu'on aime, cette Afrique qu'on visite, cette Afrique qui est de la même manière protégée de ses propres malheurs, de ses propres troubles, on dira. Les deux visions sont paternalistes. Et les deux visions ne sont pas utiles à l'analyse en sciences sociales. Le politique est ce qu'il est. Les opinions individuelles sont ce qu'elles sont. Mais en termes de travail de sciences sociales, ce n'est pas de la science. C'est de l'opinion. C'est quelque chose qui se construit en passant le bâton d'une décennie à l'autre à des questions qui sont réellement jamais exploitées dans le fond de ce qu'elles recèlent. La vraie question, à mon sens, c'est celle de la matrice étatique. Ce sera mon premier élément de réponse à votre question. C'est-à-dire qu'au lieu de s'apesantir sur ce que, pour revenir à cette représentation dont je parlais, le magazine londonien The Economist appelait au début des années 2000 The Hopeless Continent. C'était une couverture qui présentait l'Afrique avec un gamin et avec un bazooka, un continent sans espoir, tout un continent. C'est assez violent comme approche qu'on réduit tout un continent dans toute sa complexité et sa violence, qui en fait partie également. Le propos n'est pas d'évacuer ceci, mais de le contextualiser à simplement une dynamique de conflictualité. Et donc, par rapport à ceci, comment lire cette conflictualité, si ce n'est précisément de revenir à la faiblesse de la matrice étatique? Mais d'où vient cette faiblesse de la matrice étatique? Elle vient initialement d'un rendez-vous manqué, qui est celui dans les années 50, 60, 70, en gros, toutes ces différentes indépendances, dans lesquelles je pense qu'on n'a jamais réellement vécu ces indépendances de la manière dont elles auraient dû être vécues. Il n'y a pas véritablement de rupture, il y a une continuité. On passe du colonial, dans sa superbe et sa violence, au post-colonial, qui est, et c'est très important, reproduit par les autorités post-coloniales. Je pense qu'il y a très peu de différence entre les autorités belges, disons, et un Mobutu, pour prendre un exemple parmi d'autres, qui reproduit les mêmes schémas de dépossession, de violence, d'élitisme, de construction, de prédation, toute cette question qui est assez familière à tout africaniste, ou tout politiste d'ailleurs, c'est mon propos. Et donc on entre dans cette logique dans laquelle nous n'avons pas de rupture. Aussi, à l'évidence, la question des frontières, elle est là. Mais le deuxième point, et je m'arrêterai là-dessus par rapport à votre première question, c'est que ces frontières sont le produit effectivement d'une réalité coloniale. Alors, l'OUA, l'Organisation pour l'Unité Africaine, qui précède l'Union Africaine, prend la décision, qui est une décision qui, je pense, a fait consensus en tout cas à l'époque, et probablement peut-être quelque part continue à le faire, de ne pas changer ses frontières. On va prendre la chose telle qu'elle est. Couvrir la boîte de Pandore serait trop complexe, trop dangereuse, et on va de l'avant. Le problème, c'est que pour la plupart de ces États, en majorité, il y a des points de tension. On prendra le Congo comme exemple, par exemple, qui est un État tellement gigantesque qu'il est difficilement concevable de voir une autorité centrale qui déjà à l'époque n'existe même pas, même sous le colon, pour maintenir, pour gérer, pour développer toute cette zone. Et donc on va de l'avant. Et donc inévitablement, dès les années 70, pensez au Biafra, pensez au Nigeria, pensez à toute la zone du Sahel, partout où qu'on le regarde, on voit des tensions entre tel État, son voisin, telle population qui se considère qu'elle n'est pas forcément représentée ici, ou telle tribu dont la moitié se retrouve de l'autre côté de la frontière, etc. Alors, c'est une réalité qui fait qu'aujourd'hui, les conflits ont ce substrat, ont cette dimension ethnique, confessionnelle, géographique, qui se reproduit d'une époque à l'autre. Mais le deuxième point, le plus important, c'est que cette réalité, et là, c'est le point sur lequel je voudrais insister, ne peut pas se départir d'une vision universelle de ce qu'est l'État et de comment il se construit. Or, de deux choses l'une, soit on regarde l'État africain avec un exceptionnalisme qui en fait un objet particulier d'analyse et qu'on va étudier avec des outils particuliers, donc on va opérer sur l'Afrique d'une manière particulière. Et c'est ce qui se fait en majorité et jusqu'à présent. Mais je n'entre même pas dans la couverture médiatique. Il suffit ce que j'ai dit avec The Economist qu'on entend tous les jours dans n'importe quel média, dont des médias d'Afrique eux-mêmes. Soyons précis là-dessus. Ça se reproduit dans une logique
qui fait penser à ce que Edouard Saïd écrit sur l'orientalisme, par exemple. Mais c'est surtout comment traiter ceci dans une matrice universelle. Or, si l'on voit la fabrication de l'État historiquement, on voit qu'il y a un lien inévitable avec la violence. Et là se pose un problème. C'est-à-dire que l'État, Charles Tilly écrit là-dessus dès les années 80, l'État est le produit d'une construction et d'une violence qui est fondamentalement présente là-dedans. C'est ce qui a fait que les États dans ce continent ont pris 400 ans à être formés. Il y a une espèce de loi de la jungle qui fait que les institutions s'imposent par une certaine forme de violence pour pouvoir construire des États viables et qui ont une muscularité qui s'oppose. C'est une proposition complexe, éthiquement difficile. Aujourd'hui, dans les années du XXIe siècle, après toutes sortes de paramètres que nous avons introduits depuis la moitié du XXe siècle, les droits de l'homme, la démocratisation, la bonne gouvernance, il est difficile aujourd'hui de concevoir qu'un État va se former en Afrique ou ailleurs, au Moyen-Orient, en Asie, en Amérique latine, en ayant à gérer cette violence. Or, le fait demeure que c'est précisément cette symétrie, cette équation plutôt, qui a eu lieu ailleurs. Et c'est tout le défi qui se pose aujourd'hui à ces pays-là. Je voudrais juste revenir avec vous sur un mot qui est important. Donc, quand vous avez parlé de rupture au moment de la décolonisation, à votre avis, vous avez parlé de continuité. Est-ce que vous voyez une autre forme de rupture, c'est-à-dire qui aurait pu se poser par la violence, par exemple? Ou simplement prendre le projet, prendre contrôle du projet. La rupture n'a pas eu lieu. Je vois une forme de continuité ces dernières années. Peut-être avec une génération en cours actuellement, il y a une réflexion qui est entamée. Mais institutionnellement, politiquement, disons, la réalité du politique, de la géopolitique africaine, fait qu'elle est encore prisonnière d'un rapport de force qui se reproduit depuis les 5-6 dernières décennies. Il n'y a pas eu de rupture. Soyons francs là-dessus. Dans les années 60, nous avons essentiellement un espoir de naissance. C'est toute cette jeune Afrique dont on parle qui est là. 10 ans après, c'est la dépendance. Okay, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment eu de réalité de rupture. Dans les années 80, des débuts de réponses commencent à être donnés. La gouvernance, les droits de l'homme, les gestions, mais ce sont des programmes qui sont pilotés de Washington. Ce sont c'est le IMF, c'est la Banque mondiale qui dirige essentiellement cette logique, qui devient de plus en plus une logique de marché, une logique libérale. On arrive au 11 septembre, c'est le tout sécuritaire. Okay, dans les années 2000, on est dans une espèce de balbutiement qui est un petit peu incompréhensible un peu partout dans le monde, dans lequel le désordre fait ordre aujourd'hui, et l'Afrique n'a toujours pas réglé cette question précédente. Comment voir une rupture quelque part là-dedans? J'insiste sur le rôle des élites prédatrices et des régimes postcoloniaux africains qui, malheureusement, ont accompagné ce mouvement. Alors on aurait pu, effectivement, avoir une espèce de ce qu'on appelle en anglais « agency », c'est-à-dire la prise de contrôle de ce projet, d'en faire quelque chose qui se soit une réappropriation de la géopolitique n'a pas eu lieu en Afrique. C'est ce que j'ai envie de dire. Le géopolitique n'est pas simplement quelque chose qu'on subit comme une carte. Quelle est la perspective africaine sur les conflits en Ukraine, sur les conflits au Moyen-Orient, sur les questions qui se passent aux États-Unis? Nous sommes encore prisonniers d'un certain paternalisme qui vient d'ailleurs, mais qui est également réapproprié en interne. Et cette rupture sera le premier pas vers une géopolitique africaine par rapport à l'Afrique, mais aussi une géopolitique africaine par rapport au reste du monde. Ce dont d'ailleurs le reste du monde s'arrangerait probablement, puisqu'on aurait une vision, disons, qui serait plus pérenne en tout cas, et appropriée en ce sens-là. Très bien. Alors, je voudrais revenir avec vous sur les années 70, et là on a commencé à parler de dépendance du continent, et puis cette dépendance s'est très mal passée. Début des années 80, on passe au programme d'ajustement structurel dans beaucoup de pays africains. Et qui dit programme d'ajustement structurel dit consensus de Washington, c'est-à-dire les mesures néolibérales les plus drastiques, libéralisation, ouverture des marchés, levée de contrôle des choses et ainsi de suite. Et comme corollaire, c'était la fragilisation des moteurs de croissance que sont l'éducation, la santé, les infrastructures. Alors, ce consensus de Washington partait d'un postulat que vous venez de remettre en cause, à savoir que nous sommes face à des États nations à l'intérieur des frontières connues et reconnues, avec des institutions fortes qui peuvent exercer cette politique économique. Là, elle pourrait donner des résultats aussi intéressants qu'en Asie. Or, vous dites que la fragilité des institutions africaines fait que
c'est un problème au lieu d'être une solution. Oui. Comment vous... Parce que ces États, ces nations ont hérité des États qui étaient tout simplement une structure, mais une structure vide. Une structure vide qui a été construite dans un contexte colonial. Plusieurs États africains reçoivent encore des salaires qui viennent de Paris jusqu'en 65-66. Il y a une relation de dépendance littérale. Ce n'est pas simplement... on ne signe pas une indépendance et du jour au lendemain, la relation va changer. Elle ne l'est pas. On parle souvent de France-Afrique et de ces liens qui se créent. Mais bien avant France-Afrique, qui est quelque chose de comportemental, si vous voulez, et des choix par telle ou telle administration ou régime, vous avez cette réalité beaucoup plus structurelle qui m'intéresse. C'est-à-dire que nous n'avons pas eu la naissance et le développement d'État dans le sens d'une matrice étatique historique telle qu'elle s'est passée ailleurs. Et c'est une question importante qui n'a pas été, à mon sens, traitée encore. Pourquoi ? Parce qu'ailleurs, l'État a émergé, comme je l'ai dit, comme un produit, comme un résultat d'une compétition basée sur la réappropriation, le monopole weberien de la violence, si l'on veut. Or, cette loi de la survie, où est la Prussie aujourd'hui, par exemple, qui fait que tel ou tel État a réussi à émerger, n'a pas eu lieu. On passe du colonial... contrôle immédiat direct. Alors bien sûr, les luttes pour l'indépendance qui sont parfois simplement auxquelles l'État britannique ou italien ou français répond, sont ce qu'elles sont. Mais la rupture pour le développement commence dans une espèce de naissance, disons, j'ai envie de dire que l'État africain est né et mort-né en ce sens-là. Et l'on passe par la suite à une série de nouveaux habits à chaque fois qui viennent d'ailleurs, dont les couleurs ou les thématiques viennent d'ailleurs, et on va de l'avant. Bien entendu, la réalité au quotidien de l'Afrique fait que beaucoup de ces acteurs sociaux dont vous parlez, ce dynamisme qu'on rencontre et qu'on oublie souvent dans la métropole occidentale, souvent frappé par cette vision d'une jeune génération qu'on rencontre ici, jeune, très jeune, je veux dire, des enfants, qui ont une vision quasiment tintin au congolesque de l'Afrique, dans laquelle on a cette Afrique imagée, alors que j'ai envie de dire, vous savez, il fait beaucoup mieux vivre dans certaines capitales africaines, je vois beaucoup plus de dynamisme dans certains marchés, je vois une normalité, voire même parfois de la sécurité. Il faut se départir de ce fatalisme qui fait qu'on a ça. Il y a énormément de conflits, énormément de points de tension. On n'a même pas parlé encore de questions sécuritaires. Tout ceci est là. Mais il faut introduire de la nuance dans cette vision de l'Afrique. Et je pense qu'elle est souvent absente. Je parcourais les thématiques dans cette conférence ou n'importe quelle conférence. On retrouve des thématiques régulièrement d'une Afrique qu'il faudrait sauver, aider. Ça me pose problème. Ça me pose problème en ce sens-là. Je vois que on oublie beaucoup de success stories qui se font, que ce soit de la place économique de Casablanca, aux artistes, aux philosophes camerounais que je rencontre, ou n'importe quelle, disons, réalité vécue peut-être par beaucoup de gens qui la connaissent intimement ici ou ailleurs, ce sont des choses qu'on ne visibilise pas assez. Et ça fait partie de la géopolitique. La géopolitique de l'émotion, la géopolitique de la représentation fait que c'est une dimension importante. Ça ne règle pas le problème de ce qui doit être fondamentalement, à mon sens, la réponse à ceci, c'est-à-dire le développement d'une matrice étatique qui se donne les moyens, avant tout, avant de jeter la pierre à l'Occident, se donner les moyens elle-même d'une certaine pérennité. Et je trouve que c'est un rendez-vous encore pour leur manquer. Alors, je voudrais juste que vous nous parliez un peu de la relation nation-État en Afrique. Alors, on sait qu'en Europe, c'est les nations qui ont fondé l'État et pour l'Afrique, ça devait être l'inverse, puisqu'on a hérité d'une situation où on a du multiconfessionnel, du multiethnique, et visiblement, on n'a pas réussi à ce que l'État construise une nation. Alors, quelle est votre lecture de cette contradiction ? La multiconfessionnalité n'est pas un problème en soi. D'ailleurs, elle doit être une richesse. Tous ces États qui sont... On parle de ces multiples tribus, ces différentes représentants, pour moi, c'est une richesse, fondamentalement. Elle doit être basée sur l'échange. Elle doit donner des possibilités de création, de réalisation multiple. La réalité, c'est qu'elle se retrouve, toutes ces mini-nations, dans une logique de compétition. Et c'est ce qui se passe dans le processus de consolidation de l'État, de l'émergence de l'État. À nouveau, j'insiste là-dessus. Soit nous avons une logique de l'émergence de l'État qui est universelle et qui est contextualisée. Certes, ce qui se passe au XVIIIe siècle n'est pas ce qui se passe dans les années 70 en Afrique. Bien entendu, ce qui se passe en Amérique latine au XIXe siècle ne peut pas être ce qui se passe au XXIe siècle aujourd'hui dans telle partie du Moyen-Orient. En contextualisant, certes, mais la logique de l'émergence d'un pouvoir central, je crois en l'État. Je crois en l'inévitabilité de l'État. Ce n'est pas une logique statocentrée de dire que c'est le moins pire, si l'on veut, des systèmes de régulation. Mais ce système-là
est encore en voie de formation. Or, aujourd'hui, on se retrouve dans la géopolitique à exiger, non pas demander, à exiger de ces États qui sont embryonnaires des réponses sécuritaires, des réponses économiques, vous en parliez, des réponses sociétales dont elles n'ont pas les moyens. En plus, lorsqu'elles sont dirigées par des élites prédatrices, dont elles commencent à se départir, les révolutions, les jeunes qui apparaissent posent des questions de fond, ça sera traité dans 15, 10, 20 ans. Mais ces réponses, aujourd'hui, font que nous revenons, et c'est un point que je voudrais mentionner, à une espèce d'impatience en Occident vis-à-vis de l'Afrique. Et je perçois ça de plus en plus. On a quitté cette phase, disons, d'afro-optimisme, dans laquelle, qui n'était pas non plus une réponse d'ailleurs, on rentre dans cette espèce de ce continent qui pose problème, auquel il faudrait apporter des réponses militaires. Vous voyez comment les interventions vont crescendo depuis les années 90. Dès le lendemain de la fin de la guerre froide, on entre dans cette logique, intervention après intervention, et pour ne mentionner que ces dernières années, Côte d'Ivoire 2004, Côte d'Ivoire 2011, Libye, Somalie avant ça, bien entendu République centrafricaine, Mali, et j'en passe. Okay ? Et donc nous avons maintenant une espèce de retour vers ces logiques de force, elles sont des logiques de force, on parle d'une nouvelle intervention au Mali, plutôt en Libye ces jours-ci, alors que fondamentalement, cette muscularité qui fait que l'État représentatif, démocratique, républicain, mais qui a aussi la réponse de l'autorité, doit donner localement. En ne le donnant pas, pour les raisons que j'ai invoquées précédemment, c'est-à-dire cette naissance de la manière dont on l'a abordée, font qu'on a des États qui sont constamment sous perfusion. Or, si vous avez des États constamment sous perfusion, ils ne développeront jamais les antisystèmes dont ils ont besoin. Ça implique une certaine distance par rapport à ça. Ça implique aussi, ce que je disais, se réapproprier le géopolitique. Alors, aujourd'hui, en Afrique, nous assistons à une forme de ce qui s'est passé vers la fin du 19e siècle, où on est en train de partager l'Afrique. Aujourd'hui, c'est un terrain où s'exercent tous les rapports de force entre, d'un côté, les États-Unis, l'Europe, et puis la Chine, qui veut mettre le Moyen-Orient. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, ces interventions ne font qu'aggraver le problème pour ces mêmes pays, parce que là, on parle plus en plus de menaces terroristes, de crises de migrants, et ainsi de suite, que résoudre le problème, finalement, pour lequel ils sont censés intervenir? Oui, c'est l'un des autres points qui, à mon sens, également, est évacué. Il est connu, mais il est évacué. On l'a traité dans un ouvrage avec un collègue qui s'appelle « La guerre au Mali », chez La Découverte. Dans cet ouvrage, j'aborde cette question précisément dont vous parlez, c'est-à-dire ce que j'appelle le retour du grand jeu. C'est-à-dire, avec les meilleures intentions, la guerre au Mali, à l'appel des autorités locales, donc la légitimité est là. Qui suis-je pour remettre en cause le fait que des Maliens demandent à ce que quelqu'un vienne les aider, certes, mais attention, nous sommes néanmoins systémiquement, en tant que politologue, dans les sciences sociales, on doit zoomer en arrière et regarder qu'est-ce qu'on voit. L'on voit cette manifestation, ce retour de cette réponse militaire à des questions qui sont extrêmement complexes. Vous parliez de l'hétérogénéité des populations, je parlais du poids de l'histoire, on pourrait rajouter d'autres paramètres. La réponse militaire n'a pas donné de succès. Je mets au défi quiconque de me donner un exemple d'une intervention qui a marché. De la Somalie à l'Irak, à l'Afghanistan, au Mali, à la Libye, et j'en passe. Et attention, qui aurait marché en ce sens que le statu quo post-intervention soit préférable au statu quo ex post la situation. La Libye est l'exemple parfait, et d'autres. Pourquoi ? Ce n'est pas la question d'intervenir pour aider, à nouveau les meilleures intentions. Oui, peut-être 2000 personnes allaient mourir à Benghazi. Oui, peut-être que Bamako allait tomber. La question n'est pas là. Ça, ce sont des réponses médiatiques de court terme. C'est le 20h. On doit regarder plus loin que ça. Il faut regarder quelles sont les implications qui vont avoir lieu sur la société en soi, sur la capacité de réagir et sur le long terme historique. Or, ce qu'on voit, c'est que nous avons des réponses de court terme. Nous avons des réponses de court terme qui sont informées, souvent d'ailleurs par des logiques politiciennes au nord comme au sud. Et le paradoxe, c'est qu'on a aujourd'hui maintenant des demandes interventionnistes au sud. Nous avons des États et des régimes au sud, voire parfois des populations désemparées, ça on peut le comprendre encore, mais qui font une demande, venez nous aider à régler tel problème. Le problème avec l'Afrique, et c'est le cœur de mon commentaire, c'est que nous n'avons pas encore établi une réciprocité. Cette impossible réciprocité entre l'acteur du Nord, européen, américain,
occidentale et l'acteur du Sud est absente. On la traite, on tourne autour, mais elle n'est pas là. Et on ne peut pas avoir de relation d'universalité dans les concepts qu'on applique ou de logique d'échange positif. Personne ne rejette l'autre là-dedans. Mais simplement, cette réciprocité, cette acceptation qui viendrait aussi amener l'acceptation de la différence. Okay, parce que les schémas imposés, nous savons ce que c'est. Le fondamental de cette question, c'est que cette réciprocité est absente. Historiquement, ce n'est que 60 ans, vous savez. Il y a 60 ans, les colons étaient présents dans certaines de ces capitales. Ils vivaient un certain mode de vie. Durant les années 70-80, on passe à une exploitation économique qui bénéficie à certains. Certes, on ne peut pas si aisément passer. Ça va passer, ça prendra du temps. Mais ça ne peut passer que si l'Afrique, et je parle au singulier pour le coup, si l'Afrique se donne les moyens de se réapproprier ces questions, le débat d'aujourd'hui est sur la géopolitique, donc je dirais de se réapproprier le géopolitique, c'est-à-dire ne pas allumer le poste de télévision et de voir qu'une crise se passe ailleurs dans le monde et décoder à travers les lectures d'une capitale européenne occidentale. Comment réagit aujourd'hui Dakar à ce qui se passe en Ukraine? Ça, c'est la question qui doit être posée par rapport aux intérêts sénégalais, comme par exemple, etc. Et cette, et je suis sûr qu'il y a des réflexions, mais sont-elles fondamentalement systémiques en ce sens? Je doute. Alors, juste un point, puisque nous sommes dans une école de commerce, donc c'est chose... On va aborder un sujet qui va intéresser les jeunes. Le phénomène du printemps arabe contre les jeunes tunisiens, et libyens et égyptiens sont descendus dans la rue, clamaient plus de démocratie, de partage de richesses, de liberté. Est-ce qu'on peut faire une projection sur un printemps africain? Bien sûr. D'ailleurs, il a précédé le printemps arabe. On oublie aisément que dans les années 90, nous avons eu plusieurs processus démocratiques au Bénin, au Sénégal, au Mali, au Ghana, qui ont donné lieu à des successions, au Mali par exemple, ou ailleurs, des systèmes qui étaient parfaitement dans cette logique de conférence nationale, Kaanka, jusqu'au Congo. C'est un processus difficile. Mon prochain ouvrage est sur la démocratisation, et avec les collègues, on travaille sur cette question de transitologie qui se décline sur le temps. Ça prend une génération. Vous savez, entre les stades pleins de prisonniers en Argentine, et l'élection en 79, et l'élection d'une femme présidente au Brésil, qui a des problèmes encore, vous avez une génération qui passe. Donc attendre que ces gens-là développent une familiarité avec la transition politique, c'est être complètement irréaliste. Et c'est ce qui s'oppose. On passe de, vous parlez des printemps arabes, de l'optimisme ici sur ce qui se passe, c'est fantastique, c'est extraordinaire, excessivement, ne voyant pas que ça va poser problème. Six mois après, on dit que c'est devenu l'hiver islamiste. Ce qui n'a pas de sens. Ce qui n'a pas de sens. Il faut voir une série de phases. La transition politique est très longue. Ça demande une patience que nous n'avons pas aujourd'hui. 1789 est suivi de 1793, la terreur. Plusieurs milliers de personnes tuées. 20 à 200 000 selon les recherches. En Vendée, ici. Donc il faut un petit peu contextualiser cette transition, cette violence qui vient. Et j'utilise cet exemple à dessein pour dire que la Libye post-Kadhafi chaotique, c'est quelque chose qui était tout à fait prévisible. Mais ça passera, peut-être, lorsqu'il y aura une réponse adéquate. Donc effectivement, nous avons cette évolution des années 90. Juste après, on a un écho du printemps arabe, et pas simplement en Afrique, on le voit un peu partout ailleurs, de Occupy Wall Street jusqu'à... Podemos, hein, on a une espèce de moment international qui est influencé à sa manière par ce qui se passe dans le monde. Mais je pense que les systèmes africains avaient déjà vécu un premier moment démocratique en ce sens qu'il ne faut pas oublier, passer à la trappe aisément. C'est bien. Alors, juste avant de donner la parole à la salle, la solidarité africaine passe nécessairement par des institutions africaines fortes aujourd'hui. Quelle est votre lecture du rôle de l'Union africaine dans l'émergence de cette Afrique qui lie le monde à travers ses propres institutions et sa propre collaboration? Aujourd'hui, quand on voit les échanges intra-africains, ils sont très faibles, beaucoup de conflits entre les Africains, et nous avons cette Union africaine qui est plus une sorte de club de chefs d'État qu'une réelle institution pour résoudre les problèmes de l'Afrique. Et d'ailleurs, à chaque fois que l'Afrique a un problème, ce n'est pas l'Union africaine qui intervient, il faut qu'on appelle quelqu'un de l'étranger pour venir résoudre nos problèmes. Oui, tout à fait. Quel rôle voyez-vous pour cette Union africaine? Je dirais deux choses sur l'Union africaine. Je dirais verre à demi-vide, verre à demi-plein. Verre à demi-vide dans le sens qu'au début des années 2000, ils font quand même la transition. Ils se dotent de nouvelles institutions, avec le NEPAD, avec un certain nombre de restructurations en interne qui font qu'à Addis, il y a une nouvelle machine qui se met en place.
et qui va de l'avant et qui se modèle un peu sur l'Union européenne et sur des institutions nord-américaines ailleurs. Donc ça, c'est pour le côté, disons, de la réforme. Mais on peut voir ceci aussi de manière très superficielle, pour la raison que vous avez dit, c'est-à-dire qu'à chaque nouvelle crise, nous n'avons pas les réponses encore, nous n'avons pas les moyens. Pour deux raisons. D'abord, parce que dans un premier temps, il y a une espèce de logique de décentralisation. L'Union africaine, si elle devait se donner les moyens, elle ne peut pas d'un même coup demander à cette sous-régionalisation. Elle demande à la CDAO de régler la question malienne, elle demande à l'institution d'Afrique centrale de régler la question de la République centrafricaine, etc., etc. Il y a une espèce de sous-traitance de ces questions qui peut faire sens parce qu'on veut contextualiser, mais qui est en réalité une manière aussi de se débarrasser des questions qui doivent être traitées à un niveau politique, puisque c'est comme ça que cette institution fonctionne, comme vous le dites, par rapport à ça. Et puis, lorsque la crise prend de l'ampleur, l'institution n'est pas encore en mesure de jouer dans la cour des grands. La Libye est l'exemple pas parfait. Et elle est gentiment mise de côté parce que l'OTAN, la France, pour des projets personnels, rentrent dans la danse. Donc nous avons une institution qui, à mon sens, doit encore faire ses preuves. Ce n'est pas simplement de belles bureaucraties et de beaux comités et des comités de sécurité ou je ne sais autre qui font que ceci va transformer la réalité. Ça doit être construit par des success stories sur tel ou tel dossier. Et là, on n'en a pas encore vu beaucoup. Bien. Écoutez, on donne la parole à la salle pour des questions. En tout cas, on vous remercie beaucoup pour cet échange. De la très, très vite. Merci. Existe-t-il un État africain indépendant qui est souverain et libre de toute influence extérieure? Qu'est-ce que l'indépendance? Absence de la dépendance ou une autonomie partielle? Bonjour monsieur. En combattant avec les États-Unis, quelle est la différence de stratégie de l'Union européenne sur l'Afrique? Je vous souhaite d'expliquer par deux points, politique et économie. Je réponds à ces deux questions si vous voulez très bien. Merci pour ces deux questions. La réponse tout go serait non. Je ne pense pas qu'on peut imaginer complètement dans le sens de la linéarité que vous présentez qu'il existe un État qui soit complètement indépendant aujourd'hui. Je pense que ce n'est pas quelque chose, en tout cas à ma connaissance, où on peut identifier. Il y a certains États qui sont plus indépendants que d'autres, qui ont développé plus d'investissement dans leur propre processus. Je pense au Ghana qui fait quand même des choses qui sont relativement autodéterminé, mais qui a une relation très importante avec la Grande-Bretagne, avec tout le Commonwealth et autres. Mais je ne pense pas qu'on peut tout simplement identifier une telle indépendance. Mais en vous écoutant, je pense aller plus loin dans cette question, c'est-à-dire que l'indépendance de tout État de par le monde, et je reviens à mon tropisme d'universalité qui est très important, est quelque chose qu'on peut difficilement imaginer également ailleurs. Et peut-être, troisième élément, est-ce même souhaitable? La question de l'autarcie, la question de l'isolement n'est pas quelque chose aujourd'hui qui est indésirable et peut-être même possible, n'est plus possible dans l'après-mondialisation. La question est plutôt différente, c'est celle d'une phase. Il y a une phase de empowerment qui n'a pas été vécue encore complètement en Afrique. Or, cette phase, on peut tenter une analogie avec n'importe quel être humain, passer de l'enfance à l'adolescence, à la maturité, cette phase a été conditionnée par un contexte international. On pourrait parler d'enfance volée, si l'on veut, mais je reviendrai à mon tropisme paternaliste et je veux l'éviter. On n'a pas eu cette capacité d'empowerment, comme je dis, et ça, c'est quelque chose dont la génération étatique actuelle africaine souffre. Mais peut-être à tout malheur, quelque chose est bon. Peut-être que cette rupture qu'on cherchait tout à l'heure viendra de cette absence. Mais je pense qu'une indépendance totale n'existe certainement pas, à mon sens. Peut-être me trompe-je. Je vous remercie pour votre question. Je dirais je crois que ce que je disais, c'est que les institutions, en tout cas ceux de l'Union africaine, ont été modélément
sur l'Union européenne, avec aussi un soutien financier de l'Union européenne. Ça c'est pas la partie intéressante, c'est-à-dire c'est la partie d'échange, la partie de ne pas être isolé, bénéficier de l'expérience de l'Union européenne qui se construit à partir de 1957 et qui a vécu différentes étapes, une charpente économique et d'autres éléments institutionnels, c'est une bonne chose. La question n'est pas là, c'est plutôt comment utiliser cette expérience pour ne pas la simplement l'utiliser pour reproduire ce qu'on décrivait comme étant l'État africain postcolonial, autoritariste, élitiste, corrompu, on n'a pas utilisé le mot, il faut l'utiliser, et transférer ça à quelque chose qui soit un instrument de régulation, de conflits d'abord parce qu'il y en a un certain nombre, mais aussi d'opportunités économiques, de réinsertion, de coopération. Et ça, c'est un projet qui n'a pas encore lieu par rapport à ceci. Pour ce qui est de la présence des États-Unis, elle reste essentiellement dans des logiques de partenariats bilatéraux avec certains pays et de grands projets, notamment sécuritaires, notamment au Sahel. J'ai le micro. Vous m'entendez ? Au fait, ma question, c'est par rapport aux frontières. J'entends beaucoup parler des frontières comme frein au développement de l'Afrique, parce qu'elles ont été tracées par des règles, par le colon, etc. Nous avons Madagascar, il n'y a pas de frontière. Madagascar, c'est Madagascar. Nous avons Somaliland, c'est une nation. Il n'y a pas eu ce problème ethnique. Alors finalement, est-ce que vraiment les frontières, ça pose problème, puisque ces États n'ont pas foncièrement été développés? Nous avons l'Inde, je ne sais pas, il y a combien d'ethnies dans ce pays, et qui aujourd'hui est une puissance émergente. Donc est-ce que vraiment ces frontières nous retardent? Et en deuxième question, c'est par rapport à la réciprocité dont vous parliez tout à l'heure. Comment faire pour contrebalancer la relation que l'Afrique a avec le reste du monde, étant donné qu'on est faible? Et est-ce qu'aujourd'hui on fait ce poids? Quelles sont les pistes pour avoir cette réciprocité? Merci. Merci. Oui, je voulais compléter la question là de la demoiselle. La géopolitique, c'est de la puissance, c'est des rapports de puissance. Alors c'est bien de vouloir militer en faveur de la réciprocité, tout le monde est d'accord. Seulement, que pèse l'Afrique en termes de puissance économique, financière, technologique, militaire, par rapport au Nord? Donc tant que l'Afrique n'aura pas bâti sa puissance économique, technologique, etc., il n'y aura pas de réciprocité. Remarque, une question sur le tout début de votre exposé, vous parlez de la continuité, le fait qu'il n'y ait pas eu de rupture, mais en regrettant qu'il n'y ait pas eu de rupture, si j'ai bien compris. Quelle aurait dû être, selon vous, cette rupture à cette époque-là? Patrice Lumumba. Pardon? Patrice Lumumba. C'était ça la solution? Ce sont en tout cas des projets locaux. Patrice Lumumba, au lieu de Mobutu, par exemple, à mon sens, aurait donné une possibilité. Peut-être que 10 ans après, Lumumba se serait révélé comme étant un leader corrompu. Mais en entrant immédiatement du jour au lendemain dans une logique de reproduction, et là je jette la pierre aux autorités post-coloniales africaines qui reproduisent exactement les mêmes schémas de dépossession comme je disais tout à l'heure, nous avons une continuité relativement qui s'est jouée au ralenti par rapport à ça. La réciprocité est le cœur de la chose. Et je ne pense pas que tout le monde soit d'accord d'ailleurs là-dessus. Je pense que dans un premier temps, socialement, gentiment, on peut tous dire qu'on voudrait ça. Mais en réalité, dès qu'on passe précisément à la géopolitique dont vous parlez, elle s'impose immédiatement dans un rapport dans lequel la réciprocité pose problème. La réciprocité va tuer les intérêts de tel club économique ou tel acteur politique ou tel dessin géopolitique militaire ou telle base qu'on doit installer ici. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, depuis les 5, 6, 10 dernières années, dans ce grand après 11 septembre, on a un retour énorme de ce que j'appelle ce grand jeu, beaucoup plus. Il avait peut-être s'était affaissé un peu dans les années 80-90 par rapport à ça. Deuxièmement, je réponds à la demoiselle, mais je joins parce que vous faites effectivement jonction. On est faible, mais on est aussi fort. Moi, je pense que c'est une question de perspective. Ça, c'est la partie de self-représentation. C'est un peu voir rapidement la faiblesse vient d'une accumulation de réalités historiques, de dépossession. At the end of the day, qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe que la révolution industrielle en Occident se bâtit sur la dépossession d'industries qui viennent d'Afrique. C'est tout aussi simple que ça. Il y a un tour de passe-passe très gentil là-dedans, dans lequel toutes ces grandes industries
c'est-à-dire qu'il y a une espèce de fossilisation de l'économie africaine. Pourquoi n'est-elle pas capable aujourd'hui d'être compétitive? Et vous avez raison, qu'apporte-t-elle au vis-à-vis? C'est parce que ces industries de redistribution ont été fossilisées vers une logique de manufacture, transférée dans des bateaux qui aboutissent ici à Brest pour construire telle ou telle ville. C'est aussi simple que ça. C'est une réalité historique qu'on regrette tous, parce que nous sommes au XXIe siècle dans une logique libérale, mais la réalité clinique est la suivante. C'est ça. Deuxièmement, vous avez entièrement raison, il ne faut pas s'arc-bouter sur les frontières, ce qu'on disait tout à l'heure. Et je pense que l'OUA avait raison. Ils ont pris la bonne décision, à mon sens. Ça allait être une boîte de Pandore. Ne nous arc-boutons pas là-dessus. D'ailleurs, les deux exemples que vous donnez sont très intéressants. Le Somaliland, que personne ne reconnaît, fonctionne très bien, alors qu'il y a la Somalie juste à côté, qui est un chaos. Très intéressant comme exemple, pour le coup. Et ouvrir ces questions de frontières, comme on le fait, par exemple, aujourd'hui dans la discussion sur la Syrie, peut poser problème. Pourquoi ? Travaillons avec les entités qu'on a, faisons en sorte qu'il y a des solutions qui seront peut-être 80% de ce qu'on peut avoir ou 60%, mais c'est mieux que d'avoir une entité homogène. Et d'ailleurs, quelle est la valeur, pour revenir tout à l'heure à l'indépendance, d'une entité qui soit si homogène ? On revient à une logique quelque part nazie, presque, j'ai envie de dire là-dedans, de cleansing, de social cleansing. Hein. Voilà. Mais je crois que vous avez raison, c'est important. Cette question des frontières, elle était le point de départ. Mais ne nous arc-boutons pas là-dessus par rapport à ceci. Merci beaucoup. J'ai deux préoccupations sur lesquelles je voulais avoir vos... La première, c'est par rapport à la construction de l'unité africaine. C'est vrai, nous avons parlé de l'UA, de l'OUA. Et quand on voit justement, quand on le lit avec l'Union européenne, on se rend compte que cette construction a été faite de façon progressive. Et chez nous, aujourd'hui, justement, le schéma qui veut qu'on parle d'une Afrique, est-ce que ce schéma est vraiment pertinent? Est-ce qu'il ne faut pas partir, justement, des communautés sous-régionales? Parce que quand on prend la sécurité, on se rend compte que, par exemple, la CEDEAO a pu régler, en tout cas intervenir, sur certains théâtres d'opération à un moment donné. L'UA en était incapable. L'UA en est aujourd'hui incapable. Par rapport à ce qui se passe dans certains États, on se rend compte. Au niveau de l'Afrique centrale également, la CEMAG a pu. Et donc, de ce point de vue, est-ce qu'il ne faut pas justement partir, parce que l'Union européenne, c'est des réalités concrètes, parce que les populations, l'intégration doit se faire au service des populations. Est-ce qu'il ne faut pas justement partir de communautés sous-régionales pour arriver à la construction de l'unité africaine? Là, c'est la première question. Et la deuxième, par rapport à ce que vous avez dit au départ, que les États sont toujours construits autour de la violence. Aujourd'hui, nous assistons, quand nous prenons l'Afrique, effectivement, avec ce vent de démocratisation, avec la multiplicité des partis politiques, on se rend compte quelque part, d'ailleurs, l'État est devenu un peu plus faible. Et comment voir donc cela aujourd'hui? Parce que quand on prend, je vais citer un exemple, les dernières élections au Bénin, vous retrouvez 33 candidats pour un fauteuil. Effectivement, est-ce que cela n'est pas de nature à fragiliser l'État? Donc, quel est le schéma aujourd'hui idéal? Est-ce qu'il ne faut pas, peut-être, qu'on arrive peut-être à des partis forts, qui ont au moins un parti puisse dominer l'Assemblée, puisse élire le président de la République, pour effectivement, en acceptant, c'est vrai, la différence, mais au moins qu'il puisse mettre en œuvre un programme. Est-ce que ce n'est pas vers cela qu'il faut y aller? Je vous remercie. Je vous remercie. Je vais commencer par votre deuxième question parce qu'elle est très importante. Elle complète mon propos précédent. La relation entre l'État et la violence est une proposition problématique. C'est une théorie que Charles Tilly a lancée dans les années 80 qui fait, en observant l'évolution du système essentiellement européen sur 1000 ans. Elle est ce qu'elle est. C'est une théorie de science politique avec tous ses défauts, mais fondamentalement, elle nous pointe du doigt une évolution que l'on peut reconstruire en l'examinant. Et elle pose cette relation qui est la violence, l'État se crée autour de la violence. Il y a une espèce de dépossession vis-à-vis de la société, qui par la suite doit devenir une relation de représentation, qui doit être codifiée, démocratisée, pacifiée, avec une armée républicaine. C'est un long projet. Mais au départ, il se fait dans la violence, d'où les révolutions, etc. Certes, ça ne veut pas dire qu'on doit l'adapter tel quel sur l'Afrique ou ailleurs. D'ailleurs, Tilly ne dit pas ça, mais elle est utile comme matrice pour comprendre ce qui se passe. D'autant plus que l'inévitabilité, la violence autour de l'État en tant qu'objet de convoitise. On comprend comment on peut en arriver à cette tension. Le problème qui se pose pour l'Afrique, pour le coup, aujourd'hui, c'est qu'entre-temps, entre 45 et 90, 2016, nous avons en gros un certain nombre de paramètres qui font que cette pure ligne de violence devient pas possible, tout simplement. Les thématiques qu'on introduit, les standards internationaux, etc. Je rappelle simplement que ceci pose problème. On boxe un État dans des normes qui n'étaient pas présentes pour les autres et on lui demande de faire tout ceci très rapidement. C'est de là que vient l'instabilité.
Il faut qu'on imagine une solution différente. Premier point que je pose. Maintenant, le résultat, c'est exactement ce que vous pointez du doigt. C'est un phénomène de désétatisation qu'on voit se développer en Afrique ces dernières années. Et qui est problématique parce que non seulement on n'a pas réponse à la première question, mais en plus, l'État est tellement faible que n'importe quelle milice, n'importe quelle tribu, n'importe quel groupe armé peut se permettre de prendre Gao, Kidal, Tombouctou, ville historique, aux mains de petits voyous groupes armés pendant un an. Inconcevable. Pourtant, c'était la réalité. Donc, vous avez une espèce d'affaissement, d'affaiblissement de la matrice étatique auquel on doit donner réponse. Rapidement, sur le UA, je suis d'accord avec vous. Je dirais simplement, plus on bâtit néanmoins sur le régional, le local, qui est peut-être très intéressant, plus on n'a pas toujours pas la réponse de l'Union africaine elle-même. It can't have it both ways. Elle ne peut pas demander qu'avoir cette logique et en même temps proclamer son autorité de la même manière que l'Union européenne le fait, avec le même standard de porte-voix sur un continent. Il faudrait simplement trouver une espèce d'équilibre entre ce que les régions, les autorités régionales peuvent faire, même si je serais un peu moins d'accord avec vous sur la question de la CDAO, je crois qu'elle va au conflit au Mali en traînant des pieds tout de même. On voit petit à petit qu'ils ne sont pas capables ou pas en mesure de faire alors que les choses s'accélèrent. Peut-être que c'est la nature du conflit, peut-être que c'est simplement... Ah oui, Sierra Leone, pardon, oui, Sierra Leone, je pensais du Mali. Sierra Leone, vous avez raison, c'est un exemple. Yeah. Tout à fait, tout à fait. Juste par rapport à cette question qui est très intéressante, mais est-ce que vous ne pensez pas que le développement de sous-organisations régionales viderait l'Union africaine de sa substance, puisque maintenant, on va s'adresser davantage à ces sous-organisations régionales pour régler les conflits, parce qu'elles ont une réponse immédiate, que l'Union africaine qui va finir par devenir une sorte de cathédrale abandonnée. J'insiste toujours comme la réciprocité et l'universalité. C'est, à mon sens, deux clés dont on ne peut pas se départir, sinon on est dans l'exceptionnalisme et on traite les questions sur une base discriminatoire, raciste, en fait. Alors, c'est très simple. Nous avons ici, en Europe, aujourd'hui, il y a des tensions. Plus personne ne croit en cette cathédrale Union européenne. Donc, on a des tensions beaucoup plus locales, des réponses, mais il n'y a pas d'institution sous-régionale. Il y a des alliances, il y a des clubs, il y a tel ou tel processus. Il faut, à mon sens, trouver simplement... L'Afrique est beaucoup plus grande par rapport à ceci et il y a des possibilités d'avoir une logique sous-régionale. Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, Afrique du Nord, Afrique centrale, Afrique australe. Ça tient la route. Simplement, il ne faut pas que ces réponses soient tellement en aparté de ce concert africain que du coup, quel est l'intérêt de ce concert? Voyez les tensions entre les Africains anglophones et les Africains francophones, par exemple. Tensions, je parle, à n'importe quelle crise ou division. Je les ai vues, je les ai vécues. C'est très intéressant de voir que l'impact du colonial sur une communauté africaine, voilà, fait que nous n'avons pas forcément les mêmes réponses à ces crises-là. C'est une question d'équilibre. Bonjour. Excusez-moi. Vous avez beaucoup dit que la violence faisait partie du coup du processus de la construction des États. Est-ce que déjà on peut caractériser toutes les violences qui se passent en Afrique comme faisant partie de ce processus? Et est-ce que cette violence est vraiment inévitable ou pas? Voilà. Auditeur au CDS, Denis Kondou, officier de l'armée centrafricaine. Je lance une vive félicitation au staff du 8e Festival Géopolitique et je vous remercie infiniment pour votre bien exposé. Le thème « Sécurité en Afrique, conflit et fragilité des États ». Ce thème est vraiment passionnant. J'ai juste une petite question. L'intervention militaire en Libye, c'est un acte positif ou négatif? Peut-on mettre une stratégie universelle relative aux différents conflits en Afrique? Je vous remercie. Merci. Oui, toutes les violences, idéalement, sont devraient être évitables. Elles ne le sont pas, malheureusement, et on a toutes ces sources de conflits. Mais si j'ai compris le sens de votre question, c'était par rapport à trouver, disons, des solutions... J'ai pas très bien saisi le sens. Parce que vous pouvez aborder plus en détail, s'il vous plaît. Jusqu'à quel point est-ce qu'on peut caractériser une violence comme faisant partie justement d'un processus de construction étatique? D'accord. Voilà. Oui.
Je vois, tout à fait. Alors là, c'est une proposition à tout à chacun de voir s'il accepte ou pas. À nouveau, la théorie de Tilly m'interpelle parce qu'elle pose des problèmes éthiques difficiles. L'État que l'on veut tous, que l'on désire pour, comme régulateur social et des interactions, il semblerait, à tout le moins, que dans beaucoup de cas, pour rester dans les qualificatifs, il ait été forgé dans une situation de régulation de conflits, donc de violence. Ça, c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de conflits en Afrique, donc on met ça comme premier élément de l'équation. On saute à ce qui se passe aujourd'hui, on voit une prolifération de conflits. On ne va pas refaire l'exposé, on sait qu'ils viennent pour partie du colonialisme, pour partie du post-colonialisme, pour partie, on n'en a pas beaucoup parlé, des nouveaux facteurs transnationaux, tous les groupes armés qui se manifestent ici et là, qui sont facteurs de désétatisation. Boko Haram, Acmi, etc., toutes ces milices en Libye sont dans un autre paramètre très important qui, à mon sens, est en train de transformer le contexte sécuritaire. On ne peut pas simplement avoir cette vision qu'on a présentée jusqu'à l'heure dans laquelle colonial, post-colonial. On est dans quelque chose de nouveau aussi, hein, dans le 21e siècle, et qui vient de cette autocapacitation de ces acteurs non étatiques, à un moment où l'État est désétatisé, hein, de plus en plus. Alors, comment est-ce qu'on peut résoudre difficile équation, hein, qui se pose, ce paradoxe dans lequel, pour aboutir à des États forts et qui tiennent la route, et qui puissent répondre, et qui puissent ne pas avoir à appeler à n'importe qui pour régler n'importe quelle petite ou grande crise, dont la Libye, et j'y reviens, font qu'on aurait des États qui seraient capables de développer cette capacité au sens de la muscularité, je ne vois pas d'autre terme. Hein. Il faut développer ça. Or, il s'avérerait que ça passe par la gestion de crise. Plusieurs batailles pour aboutir, si vous voulez, à un corps qui soit en mesure de faire ça. La question, c'est que ça peut rester tout simplement une logique de tour d'ivoire, parce qu'en réalité, aujourd'hui, cet exercice n'est pas permis à l'État post-colonial, et il n'est pas permis à tout État mondialisé, à moins de vivre en autarcie ou d'être complètement sujet à des balbutiements de révolutionnaires constants, comme on peut penser à certains États qui vivent ça. Je pense que l'intervention en Libye était une mauvaise affaire. De manière générale, je suis contre toutes les interventions. Je pense qu'elles n'apportent pas les réponses. Je pense qu'on est au début de cette réflexion. Il y a encore beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de tabous autour de cette question. Politiciens, au sud, on s'en accommode. Au nord, ça fait partie du jeu. Mais je pense qu'un bon travail universitaire, peut-être certains ici pourront le faire parmi les jeunes chercheurs, d'ici 5-10 ans, on aboutira à peut-être concevoir que cet interventionnisme débridé n'était que le contre-coup de l'après-guerre froide, dans lequel il y a une espèce de release de la force vers le sud, de l'après 11 septembre, dans lequel le sécuritaire a pris contrôle de tout, et d'une confusion face à ce qui se passe à partir de 2011, l'après 11 septembre. Après guerre froide, après 11 septembre, après printemps arabe. Une grande transition de 30 ans. Quelles sont les réponses qu'on donne ? Intervention, intervention, intervention. D'ailleurs, on est allé tellement loin qu'on pose la question maintenant, pourquoi n'intervient-on pas ? Dans les années 70, une intervention de ce type aurait été complètement objet problématique. Mais à nouveau, je ne vois pas les réponses apportées par ceci en soi. Mais ça ne règle pas le problème éthique. Comment répondre en tant que citoyen du monde, que je me considère par exemple, si des voix démunies de la violation, des tragédies, comme on peut en voir en Syrie ou ailleurs, se manifestent. On ne peut pas rester les bras croisés. On, la communauté internationale, je ne parle pas de l'Occident. Et ça pose le problème de comment répondre à ces crises par autre chose que l'interventionnisme militaire, puisqu'on sait que dès le lendemain, on se retrouve avec du chaos et qu'il faut réintervenir et réintervenir pendant que l'État s'affaiblit. Bien sûr. L'intervention au Mali, à mon sens, était précipitée. Oui, 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 tout à fait. Oui, je pense qu'elle était précipitée. Et d'ailleurs, je pense que la manière dont on conçoit ces questions dans une espèce de tabou politique à Paris pose problème. Pourquoi ne peut-on pas concevoir qu'elle était précipitée ? Oui, Bamako aurait pu tomber. Oui, elle était légitime, comme je l'ai dit tout à l'heure, absolument. Mais ça ne règle pas le problème. Vous savez... Je reviens il y a quelques temps de Gao. J'ai été sur place pour des commissions avec M. Kofi Annan. On a vu, les populations me disent, les bandits sont encore là, monsieur. Les problèmes n'ont pas été réglés. Peut-être qu'ils ont été réglés à Paris. Peut-être qu'ils ont été réglés dans une perspective. Mais les problèmes de fond... D'ailleurs, pour revenir sur ce sujet, c'est-à-dire que les groupes armés, tenir une ville, pour eux, c'est problématique. Tenir une ville, c'est d'avoir des paramètres, on peut les trouver, les déloger. Mais lorsqu'ils reviennent dans l'évanescence du grand désert algérien ou libyen, il pose problème, fondamentalement. La réponse militaire n'est jamais une réponse entière. Et beaucoup de militaires seraient d'ailleurs d'accord avec.
Alors, je pense que... Alors, une dernière question pour mademoiselle, puis après on... Il y a plein de dernières questions. Donc... Merci. Bonjour, monsieur Mohamedou. Merci d'être venu à Grenoble. Merci pour la conférence très intéressante. Et merci aussi, monsieur Adel, pour vos questions pertinentes. J'ai deux questions. Une question un peu longue, une seconde question un peu courte. Premièrement, je voudrais savoir ce que vous pensez de la, enfin, de la place, ou plutôt de l'absence de place de l'Afrique en tant qu'ère civilisationnelle à part entière dans la thèse de Samuel Huntington. Est-ce que la faillite des États africains dont on a parlé aujourd'hui suffit-elle à justifier cette mise à l'écart ? Ma seconde question, c'est par rapport au fait que vous estimez qu'il faut raisonner dans le cadre d'une matrice universelle et mettre de côté les analyses en termes de particularisme et d'exceptionnalité africaine pour dire que la construction de l'État africain doit se faire aujourd'hui de la même manière en Afrique qu'elle s'est faite ailleurs, c'est-à-dire en Europe, entre le 15e, 16e et 18e siècle. Alors que selon moi, il y a anachronisme parce que les États européens se sont effectivement construits dans la violence par la guerre conventionnelle en mettant sur pied des armées, en réduisant le brigandage et autres formes de violence individuelle, ce qui n'est plus possible aujourd'hui. On ne peut pas construire un État en faisant la guerre, en monopolisant la violence, en levant des impôts et des armées. Et aussi, je ne pense pas qu'on puisse calquer ce modèle européen sur le continent africain. Donc j'aimerais savoir ce que vous avez à me dire là-dessus. Merci. Merci beaucoup, Jihan, pour votre très bonne question. Deux questions. Alors, sur la deuxième partie, il ne s'agit pas de calquer, on l'a dit, je crois, suffisamment. Il s'agit de tirer les leçons dans un contexte problématique, c'est-à-dire que nous avons un examen d'une réalité historique et des paramètres qui sont cliniques, c'est-à-dire la relation entre l'État et le pouvoir. Beaucoup de ce que vous avez dit s'applique encore en réalité au défi des États africains. Lorsque je parlais de développer des capacités régionales, s'autocapaciter, se donner les moyens par la formation, par l'échange, ça aboutit à des armées qui doivent, pour le coup, devenir républicaines et non pas simplement dictatoriales ou corrompues, mais qui puissent être en mesure de répondre. Donc ce n'est pas simplement le contexte du XVIe, XVIIe siècle, à l'évidence, a changé, on l'a dit également, c'est que sont les paramètres fondamentaux de la relation entre la gestion, le confinement de la violence et son contrôle, son monopole par l'État n'est pas quelque chose que l'État postcolonial africain maîtrise encore. La multiplication de foyers, de tel ou tel petit groupe armé dont on parlait à l'instant, qui est en mesure de prendre la moitié d'un pays et qu'on aboutisse à faire appel à Papa Hollande, pour le coup, hein, ça pose problème. Ça pose problème parce que vous avez une matrice étatique qui n'est pas en mesure, 60 ans après l'indépendance, de répondre à ces questions et qui, en plus, fait face à une compétition gigantesque aujourd'hui par rapport à ces groupes qui sont, eux, planétarisés, mondialisés en soi. Mais ça ne change pas les fondamentaux de la question, c'est-à-dire comment aboutir à cette muscularité dont je pensais, comment on peut la développer. Votre première question ? Sur Sam Huntington, on lui fait souvent un faux procès. On lui fait un faux procès, c'est vrai. Il n'appelle pas au choc des civilisations. Il dit on va passer à une phase de l'histoire dans laquelle les déterminants ne seront plus idéologiques, fondamentalement, comme il disait pendant la guerre froide, mais dans laquelle ils seront plus identitaires, religieux, culturels, civilisationnels, au plus haut niveau. Bien entendu, alors, il y a la vision politique, tout le monde s'y oppose, c'est le cosmopolitanisme. La vision plus stratégique, c'est la réalité lui donne raison. 25 ans après, la plupart des conflits sont identitaires, religieux, culturels, civilisationnels, quelque part, de par les déclarations des acteurs eux-mêmes, de l'État islamique au candidat américain qui est en tête de liste. Monsieur Trump, on n'est que dans justement la stigmatisation identitaire et religieuse. Hein, c'est très simple. Donc par rapport à ça. Mais en réalité, vous pointez du doigt la place de l'Afrique dans ce concert. C'est ce que demandait monsieur tout à l'heure, c'est-à-dire que donne l'Afrique à la compétition mondiale. Alors on en revient à l'État. L'État, ça veut dire aussi l'État-nation. Pour qu'un État fort, il faut qu'il y ait derrière une classe d'hommes d'affaires, une société civile, un État-nation capable d'être compétiteur et donner en retour, c'est ce projet qui doit être construit. Alors, mettre de côté l'ère africaine, à l'évidence, ça ne va pas. C'était en ouverture ce que je disais sur la représentation d'un continent mis à l'écart, qui se met parfois lui-même à l'écart aussi, hein, c'est important. Mais les fondamentaux de ce point, aujourd'hui, sont dans un contexte qui est beaucoup plus débridé, et c'est malheureux, hein, sur l'identitaire, le religieux et tout ce qu'on est. Autre chose qu'on doit ramener vers l'universel et le clinique. Et ça, certainement, j'insisterai sur le besoin de revenir vers ça. Voilà, peut-être on arrive à la fin. Oui, alors, un petit mot de la fin pour monsieur...
Rien de spécial, simplement pour remercier tout ce monde d'être venu ce samedi matin et dire tout le plaisir que j'ai eu à cet échange. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, merci de votre présence et on remercie M. Oul Mohamedou et au nom de l'ESCA et à bientôt.